Hello, 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 hello la famille. Vous voyez ça? Nous sommes aujourd'hui mercredi 11 septembre 2024. Vous êtes bel et bien conscients que nous sommes en période de pluie. Les pluies vont commencer. Vous voyez? Et notre compatriote là est toujours là parce que son problème n'a pas encore trouvé de solution. Donc le nœud est toujours le même. Vous voyez bien? Il est là. Il dort. Du jour au jour, sa santé se dégrade. J'ai dit bien du jour au jour, sa santé se dégrade. Mais nous, on est dans les maisons. Il y a toujours moi, Eric Otetier, le petit Karl Mouduma, Frédéric Nan, et un peu plus de Gabon qui viennent nous rendre visite. Moi, j'aimerais savoir, dans les pays des autres, au Mali, ou au Togo, ou au Burkina, quand un compatriote est dans cet état-là, RFI se lève, commence à filmer. France 24 commence à filmer. Ils sont partout où ils filment. Mais quand c'est au Gabon ici, là, je veux savoir que RFI fait quoi? France 24 fait quoi au Gabon? Si ce monsieur qui est en train de faire la grève de la faim là, s'il faisait la grève de la faim contre le régime, RFI allait venir filmer. France 24 allait venir filmer. Mais comme ce dernier, c'est un Gabonais, nous, on n'est pas considérés par ces chaînes internationales là. Hein, ils ne viennent pas filmer. Comme il s'agit de la BAC qui est là, même RFI a peur de venir filmer ce compatriote là qui est en litige ou plus ou moins qui a un problème avec la BAC. C'est quoi ça? Et nous-mêmes, les Gabonais, on n'est même pas solidaires. Non, on est un peuple maudit. Je dis bien, on est un peuple maudit. On est un peuple aigri. On est un peuple méchant. On va toujours dire, oh, les autorités. Est-ce que les autorités aussi vous empêchent de venir apporter de l'amour à votre quoi, à votre frère, à votre compatriote? Non, c'est quand même mesquin. Je vous le dis, hein, ce qui se passe ici, là, au Burkina, ça là, on ne peut pas vivre ça. Au Mali, on ne peut pas vivre ça. Au Niger, on ne peut pas vivre ça. Qu'un Gabonais est en train de faire une grève de la faim. Ça fait aujourd'hui, là, il est peut-être... depuis le 21 août, hein. Depuis le... Non, c'est plus, non. Depuis le 21 août jusqu'à aujourd'hui, là, il est là. Les Gabonais ne viennent même pas nombreux. Hein? Il n'y a que le grand chambellan qu'on a vu là, Mukwama. On a vu le grand Alex... Alex Mukodji qui est arrivé et avec un pasteur là, que je n'ai pas son nom en tête. Non, vous êtes méchant. Sincèrement, sans blague, vous êtes un peuple maudit. Je comprends même pourquoi est-ce que les gens qui viennent ailleurs viennent même vous piétiner dans votre propre pays. Parce que si c'était un riche qui était là en train de faire la grève de la paix, vous devez être là nombreux pour venir faire semblant d'être solidaire. Vous êtes amis seulement aux gens qui ont l'argent. Oh, j'ai fait la politique du président de la République. Oh, je suis avec le président de la République. Oui, j'accompagne le président de la République. Oui, tu accompagnes le président de la République. Mais le président de la République, il travaille pour qui? Qui mandate un président de la République? C'est le peuple. Ce sont les citoyens. Donc on peut dire que le président est au service du peuple. Mais vous-même, quand vous n'êtes pas solidaire envers vous-même, vous pensez que... Si... Oh, merde, non, vous êtes un peuple maudit. Donc je comprends même pourquoi est-ce que quand Ali Ben Bongo arrive avec sa légion étrangère, la légion étrangère nous a écrasés parce qu'on n'est pas solidaire envers nous-mêmes. La légion étrangère avait compris que les Gabonais ne sont pas solidaires. Les Gabonais aiment seulement l'argent. Ils aiment les gens qui ont l'argent et ils n'aiment pas, ils ne s'aiment pas entre eux-mêmes. Je vous dis, je vous le redis, vous êtes un peuple maudit. Vous êtes un peuple maudit. Un père de famille qui a travaillé, vous voyez que là en ce moment, sa main gauche, sa main droite, elle est là juste parce que pour une de poids en forme de décoration. Il s'est plaint, il a été maltraité. La BAC ne répond pas. Vous-même, vous ne pouvez même pas vous lever. Et après, vous allez dire que non. Oh, les leaders. Quel quartier de leaders vous cherchez? Les défendeurs des droits de l'homme, ils sont où? Ils ont déjà pris l'argent, les a nommés. Ils sont assis dans les bureaux. Ils étaient à la recherche du bout de pain. Ils se battaient pour quel peuple? C'est pas le même peuple là. Bande de maudits que vous êtes. Activistes à la con. Vous êtes des activistes moutouki. Vous pensez quoi?
Vous pensez quoi? Vous pensez qu'aider le chef de l'État, c'est quoi? C'est parfois réel les informations comme ça. Peut-être qu'il n'est pas au courant, qu'il est au courant. Il attend aussi une réaction. Non, les gars, on est méchants. Hein? C'est tellement semblable, on est méchants. Là, on a saison de pluie, c'est ça, non? Là, ça a commencé. Il est là. Vous ne pouvez même pas venir dire que non, on se met là. Les journaleux qui sont payés avec l'argent du contribuable, RTG, quoi, puis c'est 24 ou quoi, je ne sais même pas là. Hein? Le papa avait raison de dire que vous êtes des journaleux. Vous êtes des journaleux. Hein? Vous êtes des pauvres types. Vous êtes payés avec l'argent du contribuable gabonais. Incapable de venir réveiller même une...